Précédemment dans Prison Break. Ouais, je salis Link. Demto, mais tu fais quoi ici? Je suis venu te sortir d'ici. Je me suis fait tatouer les plans de la prison sur les dos. Putain, je suis innocent! Je pensais qu'on avait un deal, toi et moi. Mais je devrais pas protéger avec les nazis. Écoute, si je suis parti là-bas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'appartient. Putain! On se calme, la situation sera réglée ultérieurement. La chaleur, ça me rend malade. Hey, c'était en plein milieu de mon shampoing en plus. Hijo de puta. Donc comme ça, je finirai jamais ma manicure. Et hey, boss, comme ça, vous avez décidé de couper la clim aux honnêtes individus que nous sommes. Moi, je vais me plaindre aux affaires des êtres humains. Que vous ne traitez pas bien vos clients. Nous sommes vos clients. Nous méritons une meilleure vie ici. Écoute, Stibaz, je ne vais pas rejoindre ton gang de suceurs, mais j'ai une proposition qui tient la route. Ce qui fait donc que je vais m'évader avec toi. Mais ce qui se passe, c'est que c'est Chimpachi qui tient les clés de la cuisine et c'est le passage. Tu comprends? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la clim et toi, tu vas prendre la fourchette, tu vas placer ça dans la cellule de Chimpachi et on va lui faire porter les chapeaux. Les moments où il discute avec les gardiens et tout. Moi, j'ai récupéré la clé dans sa cellule. Tu comprends? Ouais, ça marche, choupinette. Vas-y, on fait comme je ça. Je suis ton gars. Rappelle-toi, t'es toujours ma femme. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tout ce bruit? Content de vous revoir, capitaine Boulondo. Pour toi, c'est boss. Ouais, peut-être que vous avez raison. Vous avez vérifié dans la cellule de Chimpach ici, y'a rien? Il m'a l'air bien à l'aise par rapport à la situation. Salut Franklin. Attends, dis-moi, quelqu'un m'a fait porter le chapeau? Fouillez-moi sa cellule. Capitaine, on a trouvé ça. Viens avec moi, Chimpachi, on va un peu papoter. Chimpachi, moi qui croyais qu'on entretenait des bonnes relations, je suis déçu de toi. Écoute, Belongo, tu sais que toi et moi, on entretient de bonnes relations. Il n'y a aucune raison pour moi de te trahir. Mais qui pourrait faire ce sale coup pour me faire porter le chapeau? Couper la clim afin de distraire les gardiens. Mais bien sûr, Demto, le sale bâtard. Eh oh, reviens là, tu vas où? Tu me fais courir pour rien. 4 mois de solitaire pour toi. Merde! Salut Dems. Dems? Ouais. Sinon ça te dirait une date, toi et moi, une fois que je suis sorti de ces trous. Donc tu veux que je t'attende 5 ans? On ne sait jamais, peut-être c'est demain ou après-demain. D'accord, c'est toi qui vois. Voici tes pilules, tu prends 2 le matin, 2 midi, 2 le soir. Tu comprends, non? N'abuse pas non plus, hein. Non, je ne vais pas abuser. J'ai pas envie de te voir. Tu t'inquiètes pour moi, là? D'accord, au revoir. El Dembouyo, tu me fais confiance, non? Ouais, vas-y, je te fais confiance. Mon plan d'évasion est arrivé à terme. Enfin, je vais pouvoir revoir Marie Cruz. Ne te réjouis pas trop vite. Ce qui fait donc, j'ai volé les médicaments à l'infirmerie des somnifères. Pour qu'on maintenant en nourriture, c'est pour cela que j'ai volé les clés de la cuisine. Tu te souviens de mon plan que j'avais déjà dessiné sur les dos qu'on a lavé, non? Oh! Mais pourquoi t'as fait ça, Cugno? Donc c'est-à-dire la nuit, les gardiens vont manger la nourriture et vont s'endormir. On aura au moins 20 minutes entre nos cellules et la fenêtre de l'infirmerie qui donne vers une corde, qui donne vers les murs de l'extérieur. Et à mon frère Link, quand on ira à la cathédrale, je vais lui donner du quinine pour qu'il ait des palpitations. Comme ça, on va l'amener à l'infirmerie, on se retrouve tous là-bas et on s'envole. Tu comprends, non? Salut, Demto. Ok, boss. J'espère que tu as mis mon nom sur ta liste des évasifs.